رمضان كريم. Alors, je vous présente mon aspirateur révolutionnaire multifonction. Là, je vous montre. Donc, en fait, là, j'ai mis de l'eau. D'accord. En fait, il n'y a pas besoin de sac. Il n'y a pas besoin de sac aspirateur ni quoi que ce soit. On peut même mettre des huiles essentielles pour que ça diffuse des odeurs. Donc là, vous voyez que l'eau, elle est nickel. Je vais faire mon ménage avec. Et puis, vous allez voir tout ce que je vais en ressortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la tête. Je vais mettre cette tête là et je vais venir aspirer mon canapé pour enlever tous les acariens et toutes les poussières en profondeur. Ah, ça fait du bien, j'ai nettoyé du coup mes vitres. J'avais déjà lavé mes rideaux, il faut juste que je les repasse, je vais les mettre tout à l'heure. Là pareil, les vitres elles sont nickel. Tout dépoussiéré, le canapé, j'ai mis mon petit tapis. Et là je vais allumer ma petite huile de Bloom Elixir de chez Bayem Paris. Ah, j'aime trop. Attendez, je vous montre. Et je vous disais, cette bougie aussi, elle vient de chez Bayem Paris. Elle s'appelle Dubai. J'aime trop. Donc là, je viens prendre vraiment quelques gouttes. Et ça va venir diffuser dans toute la maison. Vraiment, ça sent super bon. En fait, je vous explique. Ce matin, j'ai regardé une vidéo YouTube. J'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse qui faisait le ménage. Et dès que j'ai fini sa vidéo, j'ai les genoux. J'ai pété un câble, j'ai retourné à la baraque. Donc là, couché Keishel. Bon, c'est pas ça habituellement, mais vraiment, ça m'a donné un peps. Donc je pense qu'après avoir vu cette séquence vidéo dans ma vidéo, vous aurez aussi envie de faire le ménage comme moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, j'ai plus qu'à à mettre mes rideaux, Inch'Allah. J'ai deux machines à faire partir. Je vais me reposer un petit peu, je vais me mettre aussi sur l'ordinateur parce que j'ai des commandes de Thermomix à passer. Alors, je vais ouvrir la bête et vous allez voir ce qui va en ressortir. J'avoue qu'à une main, c'est pas facile. Donc je soulève et en fait, il y a le récipient à l'intérieur. Et là, vous voyez tout ce que ça a récupéré. Oh my god. Là, je vais aller le renverser. Imaginez, je renverse. Et là, je vais aller renverser dans la toilette. Ah, c'est bon, je l'ai vidé, j'ai nettoyé, il est tout propre. Non, Inès, ça c'est pas pour là. Et là, j'ai plus qu'à le reclipser dessus. Et demain, quand je viendrai faire mon ménage, le remplir d'eau. Et puis voilà, donc je fais des économies sur les sachets et sur les produits, sur plein de choses. Donc cet appareil, il ne fait pas que aspirateur, il fait purificateur d'air. Donc quand c'est purificateur d'air, j'enlève ici le tuyau. Je viens allumer ici et puis là, ça va venir aspirer l'air. Il fait extracteur aussi, il fait déboucheur, aspirateur, il fait la poussière. Il a plein d'accessoires. Mohim, si vous voulez en savoir un peu plus sur cet appareil-là, il s'achète que sur démonstration à domicile. Donc, c'est un peu le même concept que Thermomix.
Il n'y a pas que ces accessoires-là, donc il y a la grosse brosse que je vous ai montrée tout à l'heure aussi pour les acariens. Donc moi, cette brosse-là que je vous ai montrée tout à l'heure, je le fais aussi pour les matelas. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien. Vous aurez juste à cliquer et vous inscrire. Et une personne va vous contacter pour vous faire une démonstration gratuite à domicile de cet appareil. Et puis, si vous voyez là, c'est en train de s'évaporiser. Et je ne vous dis même pas l'odeur. Moi, ce que j'adore aussi, c'est vaporiser du Febreze sur le canapé. Là, on est dans une ambiance magnifique. Tout est propre, tout sent bon. Et quand je mettrai mes rideaux, pchit, aussi sur mes rideaux. Bon, il est 4h30, j'ai fini de bosser, fini pour le moment, parce que je vais retravailler encore ce soir, parce que demain je suis d'animation à l'agence. Et là du coup tout est propre, tout est nickel, j'ai vraiment tout nettoyé, les vitres, les chambres, les parures de lit, là il y a la machine qui est en train de terminer de tourner, bon bah qui dit dimanche dit ménage, hein. Voilà. Et là je vais attaquer... faire à manger. Franchement, j'ai la flemme. Mais bon, j'ai envie de faire un dessert, donc à base de fraises, de chantilly et de génoise. Et il reste la hala. Je vais sortir des bottes bottes. Je vais les farcir de escalope de poulet. Puis voilà, hein, des dattes. Là, sans plus. Si j'ai envie de faire du riz, parce que moi, comme vous savez, je fais attention à mon alimentation. Donc voilà un peu mon repas de ce soir. Et puis Tarek, voilà, faire un bot farci à l'escalope de poulet. Et puis l'aoul et la houlette. Allez, c'est parti pour la cuisine. Allez, c'est parti du coup, me voici en cuisine. Donc là, je vais faire ma génoise. Donc, je vais commencer par mon dessert. Donc là, on me dit de préchauffer le four à 180 degrés. On me dit d'ensuite insérer le fouet. Alors là, je viens insérer mon fouet. Je viens le mettre dans l'angle le plus large. Donc celui-là, je fais une petite rotation et si j'arrive à le soulever d'une main, c'est qu'il est bien mis. Perfect. Là, je viens ajouter 4 œufs. Donc, je viens ajouter 4 œufs. Ceux qui ont le thermomix et la recette de cookie doux, hein, directement. 120 g de sucre en poudre. Et là, il va venir fouetter le sucre et les œufs et il va les monter pendant 8 minutes à 50 degrés. Ah, il a fini. On va le relancer 5 minutes sans température. Vitesse 4. Et après, je vais l'enfourner. Ensuite, nous allons ajouter la farine. Attendez, je vous montre quand même. Regardez. C'est sublime. Vous voyez? C'est sublime. D'accord? Par contre, faites pas attention à ce que je dis, parce que ça y est, je commence à avoir faim. Enfin, voilà, j'ai compris. Voilà. Donc, ensuite, on ajoute la farine. Beurrer un moule, donc moi je vais faire dans ce moule là, donc le moule, comment il s'appelle Adam? Le moule tournesol, ou là le moule, je sais plus comment il s'appelle. La faim m'a eu les amis, la faim m'a eu. Je vous le mettrai, ici là. Je vais faire dans ce moule, d'accord. Donc c'est un moule Guy de Marle, je n'ai pas besoin de beurrer et fariner. Et là je vais ajouter 120 g de farine.
Là, il me demande tamiser de préférence, mais avec la puissance du Thermomix, il n'y a pas besoin. On a installé le couvercle et le gobelet doseur. Et là, il va fouetter pendant 6 secondes. Donc là, je mets ma préparation. Et je viens transvaser du coup ma préparation dans mon moule. Mais ce n'est pas merveilleux ça? Regardez-moi ça. Ah, Dana, je me casse la tête. Chouette, je reste devant. Ouh. Et là, je vais enfourner 25 minutes à 180 degrés. Hop, et là, je vais venir tapoter. Je vais venir chasser l'air. Tu peux m'ouvrir le four, s'il te plaît? C'est ma génoise. Super. Tu peux m'ouvrir le four? Merci. Dès que tu me refermes le truc pour moi. Voilà. Et attends, je referme. Donc, on a dit 25 minutes. Voilà. Et voilà ma petite génoise qui est prête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu refroidir. Et je vais la démouler là-dessus, sur cette grille. Donc là, je vais attendre un peu avant de démouler. Donc là, je vais récupérer du congélateur mon bol, mon fouet, ma crème, mascarpone et ma crème liquide. Donc là, j'ai mon bol qui est froid. J'ai mon fouet qui est froid. Je vais commencer par mettre ma mascarpone. En fait, je vous explique pour la petite histoire. J'avais fait un genre de roulé de génoise, pareil, avec des fraises, avec une crème chantilly. Et le soir, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un réel. Et Tariq, il me dit, donc le soir, je lui montre la vidéo, je lui dis, Tariq, regarde le réel que j'ai fait et tout, de la génoise et tout. Il m'a dit, mais pourquoi t'es en train de me montrer ça? Clé-toi, Nabata, clé-sou, hein? Moi, je l'ai mangé, moi, moi, je l'ai mangé. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je te le referai, y'a pas de souci, je te le referai. Et du coup, bah, là, je suis en train de lui refaire. Donc là, j'ai mis la mascarpone. Je vais venir activer la balance et je viens ajouter 250 g de crème liquide bien froide. Là, si vous avez bien compris, je vais faire la chantilly. Donc attention, vous prenez bien la 35% de matière grasse. Donc foisonnement rapide. Ah oui, rapide. Texture lisse et fondante. Donc 250 g. 50 g de sucre en poudre. Vous pouvez même mettre du sucre glace hein, si vous avez, c'est encore mieux. Donc là, je viens fermer mon couvercle. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 3,5 directement. Je mets pas de temps. Et je mets pas de temps ici. Je mets que les vitesses. Moi, je surveille par là jusqu'à ce qu'elle monte. Voilà. Et dès qu'elle est montée, j'appuie ici sur stop. Regardez-moi ça. Oui, mon amour, 2 minutes. Donc là, une crème fouettée, une crème chantilly bien montée. Là, j'ai mis ma chantilly au frais. Le temps de démouler ma génoise. Donc là, j'ai bien laissé refroidir. Et comme vous pouvez le voir, le démoulage est juste parfait. C'est juste magnifique. J'adore. J'aime trop. Non mais sérieux quoi, franchement les moules Guidemar, c'est pas de la frappe atomique. Oh. Donc moi le concept, je voulais l'ouvrir en deux, la garnir de chantilly de fraises et de refaire pareil par-dessus avec une petite déco. Et l'aounette, voilà ce que je veux faire. Donc c'est ce que je vais faire. C'est parti. Donc là ce que je fais, c'est que je viens prendre ma spatule à génoise. Donc c'est à lame dentelle comme ceci de chez Guidemar. Et puis là je vais venir ouvrir délicatement. Alors, je vais reculer, je vais prendre bien de la place. En place.
Voilà. Bien que ça soit égal. Ça c'est c'est une spatule en fait spéciale génoise que j'avais acheté chez Guidemarle. Vous avez mal le matériel Guidemarle, c'est de la qualité quoi. Voilà, et après ça fait deux disques. Excusez-moi. J'ai dit je vais d'acquitter les farras. Donc franchement elle est super moelleuse, la génoise elle est vraiment super moelleuse. Donc là ce que je fais c'est que je vais venir, donc j'ai un genre de pichet comme ça où je viens imbiber toutes mes génoises. Donc là j'ai mis un sachet de sucre vanillé, je vais venir mettre du lait, la moitié à peu près, voilà. Et là, je viens insérer. Donc, c'est comme ça. Il se présente comme ceci. Et comme ça, après, je peux imbiber, du coup, mes génoises, en fait, sans mettre partout, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, ça, je laisse de côté. Là, j'ai préparé mon support à poche à douille avec une douille ronde comme ceci. Une douille comme ça. Je viens faire deux tours. J'enfonce. Je mets là. Bon, elles sont un peu petites parce que j'en ai plus, j'ai que celle-là, mais si vous avez des grandes, c'est mieux. Et là, je vais chercher ma crème chantilly et je vais remplir. Une petite pince que j'avais achetée exprès pour ça. Voilà, c'est pas le top ça. Je vais imbiber ma génoise, du mélange lait et sucre, voilà, et là je vais venir tout simplement Alors voici les petits pâtes bouts de farci, mon petit riz au curcuma, petite harira, Tariq a ramené de la charcuterie, des œufs, fromage, Eiren, il s'appelle Eiren. Voilà, moi je me suis fait une petite assiette de légumes, donc poulet, carottes, excédial régime, voilà, pour un akoul m'achou. C'est ça, le régime là. بس c'est كاين غير لي كاروت تاع الاخو ولا كاين الريجيم تاعنا ناكلو معاك اختي هذا بغيتي هذا معاه ماشي ريجيم هذا بيت ماليا شريف باريغول بونجور اكيل سالي صافا tu vas bien صافا كتقول الريجيم وكتاكلو الطوب علينا مون فري ابو صافي الطوب عليكم وانا ما غناكلش هذا ماما ميرسي الطوب هذا وقال لا دان يا دا كولور يا لا كولور كاردي موا سي جالو بوالي اللي بغى معايا نعطيه يا با دو بروبليم بنات يلا بسم الله. Et après je vous montre le gâteau. Après je vous montre le gâteau à la fraise, mais j'ai pas d'assiette moi. Et voici le dessert que j'ai réalisé. Oh, thermomix en 2-2. Deux temps trois mouvements.
Pas mal, non? J'ai mis des meringues, des fraises, des petites paillettes. Et voilà. Place à la découpe. Oh, ça me donne... Je donne une bonne part. Vas-y. Ça me donne envie. Oh. Ça te donne envie. Alors ça. Yeah. Voilà. Regardez-moi ça. Ça c'est pas vrai. Pas vrai, c'est magnifique. Tu goûtes? Attends, faut que j'en ai une cuillère. Oh, bon. Trop trop. J'ai hâte d'écouter ça, mon Dieu. Je vais tomber dans le pot. Ah merci pour la dégustation. Excellent. Excellente. Excellent. Ça va, c'est pas trop sucré. Non, parfait. Parfait. C'est de la. Il est trop beau. Ouais, bah là franchement ça aussi c'est super bon. Hein. Ah ouais. Un gâteau d'hier, hier. Du elk, ouais. Oh. Elle est trop belle, hein, voilà moi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce vlog. Comment veut dire que je suis KO technique? J'en peux plus. Donc là, je vais partir faire le montage. Puis je vous dis à demain. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis... À demain. Ciao, ciao.